si rafraîchissant. Attends, où est-ce qu'elles ont trouvé ces jolis vêtements? Je me sens tellement ordinaire. Mais ça peut changer. Au revoir les bas de maillot de bain. Hein? Je ne rêve pas là? On se détend, ce n'est pas si grave. Un peu de créativité en action. Joli, non? Et on fait la même chose avec un autre. Par-dessus la tête. Et boum! Un tout nouveau haut. Simple? Non, pas cette fille. Ok, il faut qu'on essaye ça. Hé, attends! Comment t'as eu cette idée? C'est génial! Oh! Hey! Ça va? Oh! Waouh! Tu veux du thé? Je t'en offre un! Oh! Un message de Mathieu? Oh non! Il veut qu'on se voit aujourd'hui? Cool! Mais d'abord, une tenue! Oh, bonjour! Tu cherches des vêtements, n'est-ce pas? J'ai un rendez-vous, tu comprends? Ah! J'ai quelque chose de parfait pour toi! Horrible! Et ça? Vraiment pas moyen! Maintenant, va essayer ça, ok? Eh bien, c'est charmant, non? Une tenue simple et modeste. Et que serait une tenue parfaite sans perles? C'est vraiment nécessaire, maman? Oh, ça ne va pas du tout! Oh! Tiens-toi droite! Oh! Ils grandissent si vite! Oh! Saleté de perles! Je suis couverte de la tête aux pieds! Je sais! Moins de tissu, c'est mieux! Et je vais dire beaucoup moins dans ce cas! Hé, laissez voir un peu de peau serait une bonne idée. Ah, c'est tellement mieux. Et plus de manches. Ou de chemises longues, d'ailleurs. Ok, maintenant que le soutien-gorge est en place, on relève les manches. Sympa, non? Mathieu? Tu m'as reconnu, n'est-ce pas? Pas trop. Mais est-ce que c'est la même personne? Et alors? Oh, eh bien, je me suis bien fait avoir. Salut, Gina. Prête pour notre rendez-vous? Attends une minute. Vous êtes deux? Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est ce que je pensais. Ah, je suis plus que soulagée. J'aurais dû te prévenir que j'avais un jumeau. Ouais, mais tout va bien, finalement. Waouh, regarde ça! J'ai une bretelle qui dépasse, mais peu importe. Ouch! Ça fait bizarre. Hé, je suis contente de te voir, Stacy. Oh-oh! Aïe! Je suis désolée. C'est bon, ça va. Oh, salut! Est-ce qu'elle va bien? Hé! Hey, j'ai voyagé dans le temps ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Cette bretelle me cause des soucis. Ah, je préfère le look sans bretelle. Mais comment? Oh, c'est juste une petite astuce, mais ça marche. Il suffit de prendre la bretelle et de l'accrocher juste à côté de l'autre. Tadam! Problème résolu! Merci! Mais attends! Hé, tu peux m'aider? J'arrive! Oh, alors... On vient me chercher. Eh bien... Wow, je dois y aller. Voilà, ça devrait le faire. Oh, quel voyage. Mais je suis de retour. Et sans cette horrible bretelle. Ferme les yeux. Ne regarde pas, d'accord? Wow. Et ça? Non, tu n'as pas fait ça! J'y crois pas! Tu ne vas jamais me croire! Au revoir! Pas de baiser! Même pas un merci! Waouh, cette voiture est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Allons l'essayer! Oui! Plus vite! Un selfie pour Instagram! Oh, les yeux sur la route! Joli! Hé, regarde ça!
Bon, on va dire que ça va. Chouette. Super. Oh non, c'est intense là-haut. Attends, mon pullover glisse. Non, je l'ai perdu. Oh, j'ai rien sur moi. Attends, tu dois t'arrêter. Prends une grande respiration. Laisse-moi réfléchir. Bien sûr, tu n'as qu'à utiliser mon bandana. Oh, ok. Ça peut marcher. Tout est dans l'art de bien plier. Attache le triangle autour de ta taille et assure-toi que le nœud est bien serré. Puis, tu retournes le triangle comme ça et tu le glisses dans ton collier. C'est mignon, n'est-ce pas? Wow! Trop joli! Maintenant, allons-y. Mais d'abord... Ah, ok, tu peux conduire. Maintenant, on peut y aller. Je me sens déjà beaucoup mieux. Rien de tel que de sentir le vent dans ses cheveux. Non! L'arbre! J'aurais dû garder les clés. Oups, c'était un accident. Désolée. Oh, zut! Salut! On a besoin d'aide. On a eu un accident. Quoi? Mais vous allez bien? Ouf! Oh, au moins, mon maquillage est resté en place. Waouh, elle sort, regarde! Merci, merci. Incroyable, comme elle chante bien. Elle vient de me faire un clin d'œil, là. Levez les mains, tout le monde. On s'amuse tellement. On s'en souviendra pour toujours. Excusez-moi, je peux aller là derrière, s'il vous plaît? Hé, mon jean! Regarde ce que t'as fait. Oh, zut! Et c'est ma paire préférée. À moins que... Ma chaîne. Je m'en occupe. On égalise bien les deux jambes. Et on utilise des ciseaux pour aller couper ici. Sur toute la couture extérieure. Voilà, on s'arrête là. Maintenant, on prend cette attache et on la glisse ici. Une fois qu'elle est en place, tape dessus avec un marteau. Enlève le couvercle et nous voilà avec tous ces trous. Il faut passer la chaîne à travers. Et c'est fait! Tadam! Est-ce qu'elle aime les fleurs? Bizarre son pantalon. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Et voilà! Oh! Oh mon Dieu, merci! Waouh! Super ton short! Il attire l'œil, n'est-ce pas? Finalement, ce fut un heureux accident. Wouhou! Incroyable! On est venu le bonjour, on dirait. Ces chaussures sont en solde. Quelle merveilleuse journée! Hé, ta glace! Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Ne pleure pas, ma chérie! Oh mon Dieu! Oh! Tu aimerais avoir ces chaussures? Non! Oh, je sais pas quoi faire alors! Attends, je crois que j'ai une idée! J'ai juste besoin d'un peu d'aide! D'abord, mets une bonne dose de crème chantilly! Mais au lieu de la manger, ajoute de la peinture! Oh, ça a l'air génial! Waouh! Cool! J'ai gardé la meilleure couleur pour la fin. Et hop, on la verse! Tu ne pensais quand même pas que j'avais fini, n'est-ce pas? Recouvre bien les côtés aussi. Attends de le voir terminer. Après que les couleurs aient marqué un temps de pause, trouve une serviette et essuie bien les chaussures. Voilà! C'est magnifique! On dirait presque de la teinture tie-dye. Qu'est-ce qu'une maman ne ferait pas pour son enfant? Tous les enfants adorent! Merci, maman! Elles sont trop belles! Ma maman est unique en son genre, tout comme mes chaussures! Ces boucles d'oreilles sont vintage et uniques en leur genre, mais elles s'iraient très bien avec la forme de votre visage! Oh mon Dieu, oui! Je vais absolument les acheter! Hiya!
Très bien, je suis là et je suis prête à voler des trucs. Oh non, l'alarme, nous avons un intrus dans les locaux. C'est insupportable. Ah, fuyez. On dirait que la voie est libre. À moi de jouer. Ok, écoute, tu t'occupes de la boîte pendant que je récupère la marchandise. Non, ça ne marchera pas, on s'occupe de la boîte ensemble. Prête? Allons-y. J'y crois pas, trop facile. Ça a carrément marché. Oh ouais, et maintenant pillons cet endroit. Tu t'en occupes? Oui, ça j'ai, excellent. Hé, n'oublie pas, ça là-bas. Si ça peut tenir dans ton sac, prends-le, allons-y. Oh mon dieu, que diable vient-il de se passer? L'endroit a été cambriolé et ils ont pris absolument tout. On dirait que... Ouais, même certains des articles d'exposition. Y compris mes boucles d'oreilles. Attends, je sais, je vais poser ces morceaux de pâte polymère les uns sur les autres. Je veux un tas de couleurs différentes aussi. Ok, maintenant je vais utiliser ce verre et le rouler sur la pâte. Il faut que ça fonctionne comme un rouleau à pâtisserie et que ça presse les morceaux ensemble. C'est bien, maintenant que j'ai ce petit outil amusant, on commence à couper. Je le passe de haut en bas, en faisant des lignes droites. Je veux créer des bandes. Oh, regarde ce magnifique effet arc-en-ciel, je l'adore. Mais je n'ai pas fini. Maintenant, je vais reprendre mon verre. Et tu sais ce que ça veut dire. C'est bien ça, on roule encore et toujours. L'étape suivante se passe avec des emporte-pièces. Je vais utiliser cette petite étoile et découper de jolies formes. Et voilà, maintenant je prends celui-ci. Oh mon dieu, des petites étoiles arc-en-ciel. Ne sont-elles pas adorables? Je vais ajouter des crochets pour en faire des boucles d'oreilles. Et voilà, elles sont prêtes à être portées. Je vais les mettre. Oh, j'adore comme elles pendent si joliment. Oups, on dirait qu'on a oublié quelque chose ici. Ne faites pas attention à moi. Oh waouh, elles sont super. On se voit plus tard. Je suis en train d'éclater cette session de jeu. Personne ne peut m'arrêter. Ah, je ne comprends pas du tout. C'est quoi le but? Oui, j'ai trouvé mon chemin jusqu'à la prochaine porte du donjon. Il est temps de faire le plein. Pourquoi est-ce qu'elle aime faire ça? Je ne comprends pas. Hein? Hé, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, laisse-moi regarder. Voyons voir. Oh, ce n'est rien. Il faut appuyer sur échappe pour sortir. Et voilà. Oh, merci. Mais maintenant, ça charge et ça prend une éternité. Ce burger a l'air si savoureux. Il a tellement de couches. Oh, elle le regarde et ne le mange même pas. Oh, c'est quoi ce truc? Comment est-ce que c'est revenu ici? Oh, sur quelle touche a-t-elle appuyé? Ça ne va pas. Je vais devoir lui demander de l'aide à nouveau. Et tu peux m'aider encore? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça refait ce truc? Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est? Encore ça? Non, mais c'est pas vrai. T'es sérieuse? Appuie sur échappe. Hourra! Tu as réussi! Merci beaucoup! C'est bon. Bref, maintenant je peux profiter de cette pause pour manger mon burger. Mais... Oh mon dieu, tu te moques de moi? Appuie juste sur la fichue touche échappe. Écoute, il doit y avoir un moyen pour que tu te souviennes de la touche. Attends une seconde. Le burger. La touche. J'ai une idée. Excuse-moi. Dégage de mon chemin. J'ai besoin de faire quelque chose ici. Je vais enlever cette touche échappe du clavier et maintenant je vais utiliser de la pâte polymère pour faire un mini sandwich. Je vais le poser sur la touche. Regarde cette jolie petite laitue. Et maintenant la couche suivante. La viande. Maintenant ajoutons du fromage. Puis le chapeau du burger. Ce n'est pas tout à fait terminé. Il nous faut des graines de sésame. Voilà, c'est prêt. Il est parfait. Voilà, regarde. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le burger. Oh, laisse-moi essayer. Waouh, c'est trop mignon. Je l'adore. Attends, c'était quel bouton déjà? Ah, laisse tomber. C'était le burger. C'est ça. Je vais juste donner un petit coup et... Oh, ça marche. Yes. Oui, ça a marché. Enfin. Et je vais manger pour fêter ça. Oh mon dieu, ce burger est trop beau. Je l'adore. Super. Il est temps pour moi de commencer à jouer. Très bien, les enfants, vous êtes prêts? C'est l'heure de passer un test. Voici votre copie juste là. Hé, c'est quoi ça? Je t'ai eu! Voici le tien. Brrr. Voici un test pour toi aussi. Hé, qu'est-ce que c'est? Hop! Qu'est-ce que vous faites? Mes donuts! Voyons voir. Ok, yep, je suis presque sûre que c'est la bonne réponse. Oh, ça me donne la réponse pour celui-là aussi. Ok, respire profondément. Je peux le faire. C'est juste un test! Ou alors non, je ne peux pas, je ne connais pas du tout ces trucs. Burk, j'en reviens pas. Il a pris une bouchée de mon beignet comme ça. Eh bien, je ne vais pas le gaspiller, ça c'est sûr. Et nous y voilà, je vais juste signer de mon nom. Un autre test dans le sac. Je parie que j'ai tout déchiré, c'est certain. Maintenant, je peux me détendre avec mon livre. Oh mon dieu, elle a déjà fini le test. Comment c'est possible? Un instant, peut-être que c'est la bonne réponse. Oh non, je me sens si stupide. Je n'arrive à rien de bon.
Oh mon Dieu, les donuts! Les donuts sont la meilleure chose au monde! Pfiou, c'est trop salissant. J'en ai plein les mains. Et si je trichais? Elle pourrait avoir les réponses. Oh non, ce n'est pas du tout la solution. J'ai besoin de Grace. Grace, par ici! Oh, quoi? Oh, tu as besoin d'aide? Bien, passe-le-moi. Yes! Merci beaucoup! Le voilà, comme tu l'as demandé. Laisse tomber, je m'en fiche. Tiens, celui-là est faux. Et ça aussi est faux. Je ne sais même pas comment tu as trouvé ce chiffre. À peu près toutes les réponses sont incorrectes. Psst, ici, j'ai fini. Tu peux le reprendre maintenant. Youpi, je vais avoir une bonne note. Je devrais faire quelque chose pour la remercier. Voyons voir. Oh, j'ai un trombone. Et elle a des donuts. Ok, ce petit bricolage va nécessiter de la pâte polymère. Ce petit bout de jaune devrait faire l'affaire. Je vais le presser sur le trombone. Maintenant, une petite entaille au milieu comme ceci. Ajoutons quelques perles, parce que tout est plus beau quand ça brille. Ce n'est pas assez. Je vais avoir besoin de paillettes. J'en mets partout sur ma création. Bien, et on va souffler l'excédent. Et voilà, c'est fait. Et c'est super. Oh, voici les résultats du test. Oui, oh mon Dieu, j'ai eu une super note. Youhou! Oh, et encore une super note, comme d'hab. Je dois finir la moindre miette, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, il y a du sucre plein le papier. Très bien, je vais surprendre Grace puisqu'elle m'a beaucoup aidée. Psst! Oh mon Dieu, c'est vraiment pour moi? Merci beaucoup! C'est trop mignon. Je vais l'utiliser comme marque-page, comme ça. Hé, arrête de lécher ce papier une seconde. Je t'en ai fait un aussi. Hein? Oh mon Dieu, ça ressemble à un petit donut. Merci, j'adore le résultat. Trop mignon, tu ne trouves pas? Oui, oui, il est enfin arrivé, je suis tellement contente. Ça fait une éternité que j'attends qu'il arrive. Bon, le moment est venu de l'ouvrir, c'est parti. J'ai hâte de voir toutes ces nouvelles couleurs. Ok, je l'ouvre, c'est parti. Yee! Oh mon Dieu, ils sont si beaux. Il y a même des palettes de paillettes. Il faut que j'en essaye tout de suite. Ah, waouh, mon pinceau à maquillage porte-bonheur préféré. Parfait, très bien. Je vais commencer par cette sorte de rose saumonée. Ouh, je vois, elle se maquille. Elle ajoute de la couleur à son visage. Cette couleur est très jolie. Hé, hey, tu me le fais à moi après? C'est quoi ce bourdonnement? Hé, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Je saute sur celui-là et maintenant je saute sur celui-là. Hein? Oh oh! Descends de là! Ah! Je n'y crois pas. C'est ça! Il est temps de sortir ma magie féerique. Prends ça et ça! Et ça! Ok, voyons voir. Hein? Ah! Mon visage! Qu'est-ce qui est arrivé à mon visage? C'est pour m'avoir donné une pichenette. Non! Tu dois arranger ça, je t'en prie! Je ferai n'importe quoi! Oh, je sais! Je veux aussi ce maquillage. Eh bien, je pense que je pourrais... Oh! J'ai une idée géniale! Utilisons de la pâte polymère! Voilà! J'ai fait une version miniature de la palette. Maintenant, je vais prendre mon fidèle outil et gratter un peu de poudre. Et je vais la mettre dans ce petit endroit juste ici, comme ça. Un peu de ce jaune ensuite. Maintenant, je vais mettre de la pâte par-dessus et ça fera office de couvercle. Il faut ajouter de la peinture pour que ce ne soit pas juste un blanc trop fade. Cette couleur lavande est si jolie, je l'adore. Maintenant, un violet plus foncé, j'essaie de la sortir à ma grande palette. Voilà, encore une petite retouche et j'ai fini. Ta-da! Des palettes de maquillage identiques pour moi et la fée. Et voilà, je l'ai fait juste pour toi, pour que tu aies ta palette aussi. Oh oui, je l'adore! Je peux m'en mettre sur le visage? Oui, tu peux me faire belle maintenant, s'il te plaît. Bien sûr, un accord est un accord. Voilà la magie des fées, c'est fait. Oh mon Dieu, c'est encore mieux qu'avant. Waouh! Merci beaucoup, tu es la meilleure. Bien sûr, c'est juste que j'adore les couleurs brillantes, ce sont les plus belles. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Un concours de création? C'est pas vrai, j'adore les concours. Attends une seconde, je sais quoi faire. Ok, ça ressemble un peu à un cookie, mais il n'est pas assez joli. Je vais ajouter des pépites de chocolat, je veux que ce cookie soit heureux. Oh mon Dieu, regarde son petit sourire. Voilà, il a des petits bras comme ça. Et ensuite, je dois utiliser cet emporte-pièce pour faire une marque de morsure. Et voilà, ça ne lui fait pas mal parce qu'il sourit toujours. Je crois bien qu'il est terminé. Oh, hé, son invention a l'air cool. Incroyable, on dirait qu'elle a apporté deux créations. Oh, ça doit être le juge. Et elle vient par là. Pas possible, c'est moi qu'elle regarde. Elle doit aimer mes créations. D'accord. Oh, la juge a l'air méchante. Elle a déjà fait pleurer cette fille. Très bien, qu'est-ce que vous avez ici? Oh, eh bien, c'est un petit cookie, vous voyez? Et il a un visage tout mignon. Oh, attendez, arrêtez. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vais
vais avoir besoin de votre thé pour en faire la démonstration. Ok, vous voyez, j'ai mon petit cookie. Et il peut s'accrocher à votre tasse comme ça. Et ensuite, vous pourrez enrouler la ficelle du sachet de thé juste autour de lui. Ta-da ! C'est un petit copain de thé que j'ai inventé. Oh mon Dieu ! Eh bien, je n'ai jamais vu ça. C'est top ! Félicitations ! Le trophée de la meilleure création vous revient. Oui ! T'as vu ça ? Je sais, c'est dingue ! J'y crois pas ! J'adore cette chaîne ! Oh oh ! C'est vraiment trop drôle ! Oh ! J'ai un message ! J'ai un rencard ! Vite ! Il faut que je me prépare ! Ah ! Hé ! Attends ! Regarde ça ! Génial ! C'est ça qu'il nous faut ! Comme ça, plus de problèmes ! Waouh ! Il nous le faut ! Tout de suite ! Allô ? Bonjour, ce serait pour commander, Waouh, c'était sacrément rapide ! On ne va pas s'en plaindre ! Grâce à ça, on sera parfaite pour nos rencarts ! Tu veux qu'on l'essaie ? D'accord, je commence ! Je vais mettre une perle dans tes cheveux ! Je vérifie qu'elle soit bien fermée ! Puis, je peux passer l'appareil ! Waouh, c'est super facile ! Ça te va super bien ! Waouh ! Cet appareil est vraiment génial ! Waouh ! Merci, Grace ! Super ! À mon tour, maintenant ! C'est parti ! C'est fou comme c'est rapide ! Je nous trouve super belles, pas toi ? Il ne nous reste plus qu'à nous habiller ! Prête ? Oh non ! Ils ont annulé ! Oh, les mecs ! Soirée entre filles, alors ? Ça me va très bien. Ce film est génial. Salut. Oh, waouh. Elle est magnifique. Et moi, j'ai l'air... Eh ben, disons, moi, magnifique. Dommage. Oh, elle a l'air toute triste ou nette. Je crois savoir ce qui pourrait lui remonter le moral. Je vais très certainement avoir besoin de ces ciseaux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu commences à me faire peur? Non. C'est parti! Ne bouge pas, je vais faire quelques arrangements. Il suffit de découper au niveau des coutures. Et voilà, je suis géniale! Maintenant, on retire les manches. Waouh, sacré changement! Mais nous n'avons pas encore terminé. Oh, mes lunettes! D'accord, je vais les enlever. Après tout, mieux vaut être jolie qu'y voir clair. Enfin, je vais étirer un peu le tissu au niveau des coupes. Et voilà! Coucou, j'ai apporté le jus de fruits comme prévu. Et moi les gobelets. Mais ce n'est pas tout, tu vas voir. J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner. Miam, j'adore ça. Moi aussi. Tu sais quoi, on va l'ouvrir tout de suite. Oh, regarde tout ce délicieux chocolat. J'en étale bien partout. Et voilà, tiens, c'est pour toi. Génial, merci beaucoup. Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine. C'est tellement bon. Merci. Pas de quoi. C'est ce que font les amis. Je vais m'en faire une aussi. Ah! Oh non! Je m'en suis mis partout. Oh non! Tiens, prends ma serviette pour essuyer. Super, merci. Oh, j'espère que ça va marcher. C'est encore pire. Le chocolat s'est complètement étalé. Oh mince! On doit pouvoir trouver une solution. Oh, regarde! On va se servir de mes rubans. Je ne vois pas bien en quoi ça réglait le problème. Fais-moi confiance. Allez, retire ton haut et retourne-le. Bien, maintenant on va passer les rubans. Je vais les glisser par les bretelles, comme ça. Ben, tu es prête? Maintenant, passe le ruban au-dessus de ta tête. Parfait. Bon, mais ce n'est pas terminé. Je vais reprendre les extrémités du ruban. Je les fais passer à l'intérieur du top. Même chose de l'autre côté. Oh, j'ai compris. Je peux me débrouiller à partir de là. Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos. Salut les filles, on est venues pour le pique-nique. Ouf, on a sauvé ta tenue de justesse. Waouh, ton top est vraiment sympa. Oh, merci. Allez-y, servez-vous. Il y a plein de choses à grignoter. Cette nouvelle école est super. C'est des tampons. Burk. Qu'est-ce qui est si drôle? Oh non, ce n'est pas possible. La journée commence mal. À moins que je reprenne le contrôle. Savais-tu que les tampons pouvaient servir à faire de superbes boucles dans tes cheveux? En plus, ils ont la taille parfaite. Alors enroule-les et un peu de patience. Tu vois? Fabuleux! Waouh, c'était incroyable! Heureusement que j'en ai apporté beaucoup. Oh, essayons! Trouve ton nez qui coule.
Waouh, cet endroit est vraiment génial! Comment bien commencer le week-end? Tu penses à ce que je pense? N'en dis pas plus, je sais! Génial! Salut mec! Deux mini cheesecakes! Je vais les prendre avec ma carte. Ça ne passe pas ici. Celle-ci alors? C'est bon! Merci! Et voilà le dessert! J'ai pris ton parfum préféré! Grace? Hein? Oh, salut! Je peux savoir ce que tu fais? Oups! Désolée! Bon, puisque je suis là... Je n'arrive pas à croire que Jake m'ait laissé tomber! Oh, ça ne va pas se passer comme ça! C'est hors de question! Il faut que je me démarque! Voilà, comme ça. Encore un peu. Maintenant, laissons la magie opérer. Je fais un double nœud pour ne pas que ça bouge. Puis je rentre les bords à l'intérieur. Et je fais glisser le t-shirt sur mes épaules. Je replie un peu les manches, si elles sont trop longues. Alors qu'est-ce que tu penses de ce top? Pas mal, hein? C'est carrément tendance, pas vrai? Jake! Tu es toujours occupée à ce que je vois. Ce n'est pas grave, je vais attendre. Grace? C'est toi? Ta langue va bientôt toucher le sol. Hé! Et moi alors? Je déteste mes fringues. Je parie que je peux le faire aussi. Oh! Waouh! Ouais, ça fait toujours cet effet. Est-ce que je peux t'offrir un café? Je peux t'aider? Une fête? Regarde ce qu'on vient de recevoir! Et c'est une fête déguisée aussi! Nous ferions mieux de commencer à nous préparer alors! Allons-y! Partir avec une base solide est la clé de toute chouette transformation! Allez, ça ne change rien! Je n'ai toujours pas l'air différent du tout! Je n'ai pas le répit, décidément! Je ne peux pas aller à la fête déguisée comme ça. Si seulement je pouvais mettre ces couleurs. Il s'avère que tu peux transformer des crayons de couleur en maquillage. Oui, laisse-les tremper là-dedans. Maintenant, c'est doux et agréable. Que le coloriage commence. La couleur s'applique très bien maintenant. Suivant, du rose. Ajoute autant de couleurs différentes que tu veux, les unes après les autres. Presque fini. Je fais tout l'arc-en-ciel. Et pourquoi ne pas faire une petite aile à la fin? N'oublie pas de faire pareil avec les deux yeux. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? C'est une astuce plutôt sympa, non? Ok, maintenant il ne reste plus qu'à trouver la tenue. Je sais. C'est arc-en-ciel-tastique, bébé. Ok, il est temps de se préparer pour la fête. Je suis sûre que j'ai quelque chose là-dedans. Ah! Aucune tenue ne va le faire! Non, encore pire! Pourquoi est-ce que j'ai ça? Oh. Hé! Oh non! Comment as-tu? Ne panique pas! Il doit y avoir quelque chose ici qui va faire l'affaire. Mes collants? Comment? Il suffit de sortir des sentiers battus. Ok. Encore une étape importante. Les collants te permettent de faire un dégradé. Utilise des teintes bleues sur tes joues. Et du violet sur tes lèvres. Enlève les collants et profite des superbes résultats. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Tu es prête à faire la fête? Allez, allons-y! Cet endroit est génial, non? Ok, j'adore le maquillage, pas vrai? Tout le monde nous regarde! Même le DJ! Il est plutôt mignon! On devrait s'habiller comme ça tous les jours! Ces astuces pour les vêtements t'ont-elles été utiles? Qui n'aimerait pas une paire de shorts munis de chaînes? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos utiles comme celle-ci!